Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Ren Kineko et nous continuons ce let's play de Chain of Memories avec ce 7ème épisode. On va essayer de finir la semaine en beauté dans le Colisée. Kairi sera heureuse si tu retrouves Riku et que tu le ramènes. Ne le perds pas, le porte-bonheur que Kairi t'a donné. Donc, dans l'épisode précédent, nous avions compris que, au fur et à mesure qu'on avançait dans le Castle Oblivion, donc dans le Manor Oblivion, pardon, nous perdions plus ou moins complètement nos souvenirs. Les moins importants en premier, évidemment. Le problème, c'est quand même le journal de Jiminy se retrouve impacté. Là, nous en sommes au 4ème palier, je crois. Et donc, on va essayer de continuer de façon relativement efficace ce que nous avons commencé. Regardez, un avis. Hey, listen. Ça alors. Et sinon, personne voudrait le porter pour l'aider un peu à lire, parce que là, c'est pas qu'il a l'air d'en chier, mais... C'est une compétition, ça s'appelle la Coupe du Colisée de l'Olympe. Il s'agit d'une course d'obstacles où on affronte des adversaires en chemin. Écoutez un peu ça. Le grand héros Hercule participera au jeu. Il paraît qu'il n'a jamais été battu. Ça a l'air amusant si on s'inscrivait. Je t'ai sûr que tu dirais ça. Dès qu'il y a une compétition, il faut que tu y participes. Même sans nous, tu vas le faire, pas vrai? Oui. Alors on ferait mieux de s'inscrire. Attendez, il y a autre chose. Seuls ceux qui finiront l'épreuve éliminatoire pourront participer à la compétition. Ce qui semble relativement logique. L'épreuve éliminatoire se déroule tout près d'ici. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Je me demande s'il va y avoir quand même une sorte de labyrinthe, entre guillemets, ou pas? Oui, puisque les paliers sont fixes par quel que soit le monde, donc... Ah, Hadès. Hercule est un modèle de force et de vaillance, le héros parfait. Ha! Ah, pas hein, mais... Alors comme ça, il est parfait! Parfaitement énervant, oui! Rien que de penser à ce Minus, ça me fait bouillir! Je l'enverrai bien en enfer. Vous m'avez engagé pour ça. Oui, je sais, je fais la voix de Cloud comme je fais la voix de Squall, mais au final, les deux sont des émo dépressifs. Hein. Finement observé, Cloud, c'est ça? Tu dois battre Hercule lors des jeux, et une fois qu'il sera en difficulté... Fini le travail! Fais ça pour moi et... Vous me rendrez mes souvenirs perdus, comme convenu. Tu as ma parole. Décidément, tout tourne autour des souvenirs dans ce jeu. Clé d'ouverture, oui! Alors... Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Oh putain! Évidemment, j'étais baisé là. Oh! Comment il m'a ken? Non, j'ai perdu! Ouah! Terre d'amitié, très bien. Alors. C'est tout. Alors, est-ce qu'on peut aller plus haut? Aller plus haut, toujours et encore. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oula! Tu t'es un petit peu... Comment dire? Bon, ça va. J'ai pas vu à combien était la carte qu'on vient de récupérer. Ah,
Oh putain, carrément. Tu te calmes. Qu'est-ce qu'il va me faire, le génie, là? Ça va. Local apaisant, ça me convient. On va essayer d'aller dans un local apaisant pour récupérer le coffre. On m'appelle le destructeur de Cologne. Sinon, je ne sais absolument pas... Enfin, j'allais dire, je ne sais absolument pas à quoi ça a servi de détruire les colonnes. Mais c'est surtout, en fait, l'escalier. À quoi ça... La jambe de Sora partait en jambe folle, un peu. C'est rigolo. Bon, bref. Il n'y a pas grand-chose à détruire, sinon. Hein. Oula. Eh merde. Et le problème de génie, c'est que quand il fait stop, bon bah, c'est pas hyper intéressant, quoi. Alors. Coffre, déjà, dans un premier temps. Coffre. Ah, j'en ai deux niveau 2. Donc on va plutôt partir sur la niveau 2. Sora a pris Estoc Glacier, donc Glacier plus attaque. Peu importe le niveau de dégâts. Ok. Ça me convient. Ça me convient parfaitement. Par contre, la carte, oui, voilà. Niveau 5. Mais ça se tape pas. Ça se tape pas. Ça. Ouais. Bon. Très bien. À quoi ressemble le plan général du lieu, là, parce que... Ok, donc on est arrivé par là. Et il faut qu'on aille là. Donc, en faisant ceci, je suppose, on n'aura pas des masses le choix. Là, au niveau de la du layout, de toute manière, clairement, c'est forcément par là. Et après, là, c'est tout chousse, parce que ça, c'est des événements. Et là, c'est comme ça, parce que là, c'est un événement. À moins qu'on ne sorte par ici. Je ne sais pas. Bref. Très bien. Ça, c'est fait. Ensuite, donc, les cartes extra, on a dit, c'est du caca. Mug. Mug, j'en suis où de l'argent? Non, on va éviter. Niveau 3. Infliger de lourds dégâts au sang-cœur. Ouais. Les terres d'amitié, je m'en cogne un peu en fait, mais bon. C'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir de la carte à utiliser pour comme ça, en freestyle. Ah, raté. Ah, ça donne des points de vie de se mettre là, ok. D'accord. All combatif. Très bien, très bien. J'ai cru voir un truc bouger là-haut. Non ! Aïe. C'est bien ça. C'était bien. Ensuite. Ah, on peut directement les détruire comme ça. Sympa, ça. Oui, c'est pas tout à fait ce que j'espérais, mais bon, c'est pas grave. Aïe.
Oui. Sans blague. Lieu gros. Et je disais donc très bien si tu veux. Je me suis un petit peu foiré sur la coupure du son. Bon ben ça, ce fut efficace. Ah, je préfère. Pour l'instant, au niveau HP, on est pas mal, donc en fait, j'étais un petit peu lent, c'est vrai. J'aime bien quand il y a des petites interactions comme ça. Ça change un peu. Là, ça nous permet de monter. Là, c'est logique. Qu'est-ce que c'est ici? C'est pas là qu'on doit aller. Donc on s'en fiche. On pourra toujours y aller plus tard. Récupérons l'XP, ne soyons pas mauvais. On va se calmer là. Bien ça. Et un petit hall. Ouf, c'était chaud. Alors, ouais. Niveau 4, lieu grouillant. Bah allez. Je veux un lieu paisible. J'ai pas envie de trop me prendre le chou avec des combats à tire-larigot. Mais je pense que ça ne va pas tarder, je vais devoir les utiliser. Je l'ai fait un peu loin là. Un foudre, ce serait bien. Ouais. Le combatif niveau 5, d'accord. Merde. Oh là là, j'hallucine. Non mais... Je viens de voir une carte partir. Carte glacier obtenue, d'accord. Ah, j'étais pas fou, j'ai bien vu une carte partir. Chaîne royale niveau 8, en plus c'est de la bonne carte quoi. Ah, déjà, merde. Évidemment. Joker aléatoire. Ok. Alors, tout à l'heure, j'ai vu un truc. Enfin, ça se... J'ai eu des sphères de HP en restant dessus, j'ai eu l'impression, mais... Je ne suis pas sûr. Je confirme que c'est beaucoup plus efficace de faire l'attaque, les attaques simples que de faire les invocations. Les invocations, faut que je les utilise en dernier recours, en fait. Bon, ben, Taïo. Alors, avant de faire Taïo, est-ce que je peux faire une amélioration de mon jeu ? Parce que là, il y a une 8, 17, 17, donc c'est censé passer. Même si c'est pas hyper puissant. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je dégage une de celles qui sert à rien, là, les 3? Ou alors je remplace juste la 5 par ça. Ça, du coup, toi, tu peux dégager. Voilà. Du coup, on est à 400... Est-ce que je peux améliorer encore avec là il y a du 6? Ouais mais attends.
ça. Là, j'ai du 5, c'est plus physique, d'accord. Non, j'ai rien en dessous de 5, très bien. Ah, j'ai une 7, là. Là, j'ai une 7, donc ça peut facilement remplacer... Ben, 7-5, là. Hop. Bon, là, après, j'ai toujours rien d'intéressant. Oh, la vache, là, j'ai une 8. 8 qui vaut 22, ça va faire mal. Oh, tu me diras. Ça passe, hein. Pour l'instant, ça passe. On améliore au fur et à mesure, petit à petit. Et c'est pas si mal. Je peux mettre une deuxième 7, sans doute, relativement facilement. Pour remplacer une 5 qui est là. Voilà. Et ben là, on est pas mal. Et là, on commence à avoir un assez bon jeu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a fini les premiers combos 7, 8, 6, 8, 7, 6, etc., on se retrouve avec de la carte 8, 6, 7, 6, 7, 5. Bon, le 5, là, ici, fait un peu pitié, mais est-ce que je peux pas l'améliorer? Est-ce que j'ai pas un truc en 6? Si, là, j'ai un 6. Le petit 5, là, il dégage. Hop, voilà. En toute simplicité. Après, il faudrait que je me mette des 0, au moins 1 pour contrer... de façon sûre et certaine. 19. Au prochain truc, il faut que je me rajoute juste un 0, mais qui servira que à ça, en fait. Qui ne sera pas dans un combo. Hop là. C'est bien là. Alors, 8 ou plus. Ouf, la vache. 8 ou plus. 8 ou plus. Lieu vaillant, pièce infestée de 100 cœurs aux cartes puissantes. Je vais le garder au cas où je serai maso à un moment donné. Ah putain, j'aimerais bien me débarrasser des salles extra du coup, faudra que je le fasse. 8 ou plus, 8 ou plus, 8 ou plus. Là tu me diras, j'ai pas grand chose en 8 ou plus. Hein. Zone de pesanteur, mais... répond à tous les critères sauf ceux des cartes clés. Ah, c'est donc à ça que ça sert, d'accord. Et là-dedans, ouais, non, non, bah tant pis, on va prendre la 8 ou plus de terre d'amitié, je crois. Ouais, voilà. Hop. Voilà. Bonjour. Eh, hey, d'où vous sortez comme ça? Vous avez passé les éliminatoires? Bien sûr, et on veut concourir pour la coupe. Vous êtes au bon endroit, mais vous n'avez aucune chance contre Hercule. Pourquoi? Deux mots. Z, pas des héros. Tu te trompes. Oh là là. Oui, ça fait 5 mots. Eh, hey, j'étais en train d'éternuer, donc... Je ne parle pas de ça. Comment prouver qu'on est des héros si tu ne nous laisses pas notre chance? Bah ça se voit, tu brilles pas. Il a raison, Phil. Ils ont passé les éliminatoires et ils ont le droit d'essayer. C'est pas faux, Hercule, mais quand même. Sinon, il ne reste plus qu'à annuler les jeux. Les annuler? Pourquoi? L'épreuve éliminatoire du vieux Phil était si difficile que personne d'autre n'a réussi. C'est vrai? Alors c'est réglé, laisse-nous participer et les jeux ne seront pas annulés. Qu'en dis-tu, Phil? D'accord, tu m'as bien eu. Voilà le topo, gamin. Je m'appelle Sora, pas gamin. D'accord, d'accord, gamin. Puisque ton équipe et Hercule êtes les seuls concurrents... Faux. Ah non, pardon, faut le faire à la façon youtubeur. Faux! Il y a un nouveau concurrent, Cloud. Plus on est de fous, moins y a de riz. Ça promet d'être quelque chose. J'ai hâte que ça commence, je ne retiendrai pas mes coups. Moi non plus. Je vais vous taper avec une clé, que le meilleur gagne. Place au spectacle, mais je dois d'abord vous expliquer quelques règles. Règle numéro 1. Le premier qui termine la course d'obstacles a gagné.
Règle numéro 2. En cas d'égalité, un combat départagera les joueurs. Règle numéro 3. On peut perturber ses adversaires durant la course. Enfin, règle numéro 4. Tous les concurrents doivent se donner à fond. Bon, assez bavardé. À vos marques. Prêt. Partez. Cloud qui marche. Qui en a rien à secouer. Alors, par où que c'est la suite? Ah mais d'accord, je repop ici quoi. C'est là, d'accord. Hop. Carte affichée niveau 1, bon ça va, niveau 1 on devrait en trouver. Genre là. Oups. My bad. Ah, on va combattre Cloud. Il est sympa de nous avoir attendus. Il ne nous attend pas, tu te souviens de la règle numéro 3? On peut perturber ses adversaires durant la course. Il veut éliminer ses concurrents. Oh là là, quelle surprise. Rangez-moi ça. Ce n'est pas avec vous que je veux me battre, alors partez. Pourquoi j'ai fait une voix comme ça? Hein? Tu vois, il nous attendait. Eh bien ça y est, on est là maintenant. Acceptons son offre et allons-nous-en. Je ne comprends pas pourquoi. Tu es sûr de toi? Je me moque de la coupe. C'est Hercule que je veux. Aujourd'hui, il va perdre plus que la compétition. Tu veux dire que... Mais pourquoi? J'ai passé un marché. Ne te mêle pas de ça. Va gagner la coupe. Tu réalises ce que tu fais, là? Règle numéro 3. On peut perturber ses adversaires durant la course. Tu n'es pas le seul à vouloir défier Hercule. Quelle erreur. Youpi! Bon ben... Ah ah ah! Merde. Ouhouhouhou. Mais c'est qu'il est violent ce garçon. Ouais, évidemment qu'il résiste. Non. Aïe. Aïe. Oh putain, oui, 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 non, dégagez là. Ok, 6, là je peux rien faire. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok, quand ils volent comme ça, c'est on peut l'esquiver assez facilement. Bon, ça va, ça passe. Est-ce que je commencerai à avoir un bon jeu? Ce serait assez ouf. Carte potion plus, niveau 3. Wouhou.
Où est passé Cloud? Ben, je sais pas, tu étais en train de le combattre il y a 2 secondes. Il se dirige vers la ligne d'arrivée, rattrapons-le. D'accord. Clé véridique. Ah ben pour sûr, c'est pas le pied. Est-ce qu'on va finir le Colisée en un tour de manche? Parce que là... Il nous reste juste à tracer jusque là-bas. Alors, on va aller sauvegarder. Puisqu'on vient de défoncer Mr. Cloud, donc... On sauvegarde. Alors, j'espère que vous entendez pas trop les gamins qui gueulent dans le... dans la cour. Parce que forcément, vu comme ça, ben... Je hais les enfants. Les enfants sont une abomination qui ne devrait pas exister. Oui, dans ce cas-là, je sais, aucun humain n'existerait. J'en ai rien à foutre. Dixit, le gars qui est en train de jouer à un jeu qui, quand même, est pas mal axé enfant, quoi. Alors bon, là, on n'a pas trop le choix, là, on n'a pas trop le choix... J'en suis combien au niveau... À combien au niveau du fric, moi? Point mug 150, c'est ridicule. Donc, pour l'instant, on va oublier les mugs. Niveau 4. Niveau 4... Bon, je suis curieux de voir ce que c'est des bolets noirs. Allez, soyons fous. Puis au pire, je les esquiverai et je rusherai comme un porc. Où ils sont? Ah, ils sont là. Bon, ça va, ça passe. Je pensais que ce serait pire. Alors c'est quoi le délire en fait? C'est qu'ils reviennent constamment? Ah, c'est peut-être ça en fait, ils reviennent peut-être constamment. Oh, le bâtard. Pas jusqu'en bas. Je me demande si on peut taper plusieurs bolets en même temps, enfin plusieurs ennemis en même temps, pardon. Ah oui, merde, c'est vrai qu'ils ont cette technique à la con. Est-ce que c'est une carte qu'ils utilisent pour pouvoir faire ça? Parce que si oui, du coup, ça doit se contrer tout ça. Allez. Ah. Ah, j'ai vaincu Cloud avec cette technique où vous pouvez pas test. On va augmenter les HP quand même au cas où. Et merde, trop tard. Ah, l'enfoiré. Ah, local apaisant niveau 8, c'est bien ça. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Enfin, est-ce qu'il y en avait un nombre fini ou pas? C'est ça la question. J'ai l'impression que oui.
Non, ça va, en fait. Je m'en faisais toute une histoire, mais ça passe. Une rouge, une verte, et... D'accord. Alors, rouge. Rouge. Lieu grouillant, c'est trop... Ça peut être pratique si je veux faire de l'XP. Donc, potentiellement... les endormis. Mais... Non, celui-là, par contre, je suis pas trop fan du côté brutal. Voilà. Lieu ésotérique, ça peut être sympa, mais... Voilà. Et voilà. Et on va voir donc si je peux... Tu as perdu, abandonne Cloud. Ce n'est pas encore fini. Si on continue comme ça, ça risque de mal tourner. C'est toi qui devrais t'inquiéter. On dirait que tu fatigues. Pas de panique, je viens t'aider. Sora. Qu'il t'aide s'il en a envie. Mais je dois te tuer pour récupérer mes souvenirs. Tes souvenirs ? Voyons, Cloud, il ne fallait pas vendre la mèche. Hadès ! Tu n'es pas aussi fort que tu le prétends, Cloud. Et tu n'as fait que l'épuiser, ce n'est pas bon pour ton score. Je vais être clair, petit avorton aux cheveux hérissés, tu es viré. Mais, et mes souvenirs ? On a passé un marché. Tu croyais récupérer des souvenirs aussi facilement ? Quelle naïveté ! Espèce de... Tut ! Allez, du vent, je vais me charger d'Hercule tout seul. Bon ! Donc, on se tape Hadès cache pistache. Ok. Hey ! Règle numéro 5, il n'est jamais trop tard pour participer au jeu. Hadès, tu étais derrière tout ça depuis le début. Quelle surprise. Cloud ne t'a peut-être pas éliminé, mais tu es à bout de force. Passons au plan B. Fais tes bagages, Hercule. Tu as gagné un voyage gratuit pour l'enfer et c'est moi qui régale. Attends. Sora, non ! Hercule, comment va-t-on continuer la compétition si tu vas en enfer ? Bah, on ira le chercher. Bien vu, petit. Tu vas devoir y aller avec lui. Règle numéro 6, il n'y a plus de règles. Merde, c'est vrai. Aïe aïe aïe. C'est quoi? C'est du 14 contre lui, il est en quel niveau là? J'ai pas vu. Oui, non, ça c'était pas une bonne idée, ça. Oh, comment il m'a esquivé. Oh oh. Mais non, mais... Tu sais, pour faire ça, Donald, c'est pas la peine, hein. Aïe. 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 Quoi? Putain, la vache, il a réussi à me break ma... Putain, la vache, il est violent. Putain, mais... La caméra qui fait nawak en plus. Ouais, non, ça, je peux rien faire contre, pour l'instant, du moins. Aïe.
Évidemment, il pouvait pas faire foudre ce bâtard. Allez, dégage. Non, 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 mais d'où tu... D'où, là? Putain. Bâtard. Ok. Ouh là là. Putain l'enculé. J'ai pas droit à une super carte Mickey là un peu. Ouf. Vache. C'est pas que c'était en Dax, mais un peu quand même. Bien. Et je récupère forcément la carte Hades qui va avec. Quoi? Les jeux sont annulés? Pourquoi? Deux mots. Tous. Des. Nuls. Une minute, ça fait trois. Ah, oh, tu veux rire? Et mon match avec Hercule? Désolé Sora, mais dans ces conditions, ce n'est pas raisonnable. On fera un match quand je serai rétabli, d'accord? D'accord, je te prends au mot. Ouah, c'est tout ça parce qu'il porte une jupe. Franchement, c'est pas très sympa. Alors, c'est réglé. Sora, par ici. Il revient à lui. Ah oui, d'accord, c'est Gemini. Je savais pas quelle voix il fallait que je fasse, là. Ça va? Oui. Je meurs. Désolé d'avoir gâché vos jeux. Je me casse. Je suis deg. Hey, j'espère que tu retrouveras la mémoire. Pour ça, il faudrait que j'aille dans mon jeu. À moi. Oublie ce qu'Hadès a dit. Parfois, un petit détail peut te rappeler une chose que tu as oubliée depuis des années. Si je te dis, par exemple, Aeris. Si c'est un souvenir important, impossible qu'il soit perdu à jamais. C'est mon avis, en tout cas. Allez, tiens, je te donne ma carte. Maintenant, ferme-la. Tiens, prends ça pour m'avoir aidé. Tu es sûr que tu ne veux pas venir avec nous? Oui, non, ouais, ce serait beaucoup plus pratique, je trouve, mais bon. Ça ne m'intéresse pas. J'ai un trop beau brushing. Il n'y a même pas de coiffeur parmi vous. Cloud, niveau 4. Bleh. Bien! Et donc, nous sommes dans le repos du guerrier, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, je vous souhaite un bon week-end, je vous donne rendez-vous mardi pour la suite de ce Let's Play. Demain, c'est du Sneak Pass avec le quatrième et dernier épisode du premier monde, pas le dernier épisode du Let's Play, ne vous inquiétez pas. Et sinon, dimanche, ce sera Antichamber. Je vous fais des gros bisous. Ciao.